Bon, c'est plutôt sympa ici, ce parc. Ouais, bah j'y viens de temps en temps avec des amis, histoire de se promener un petit peu. On va se tutoyer, hein. Il n'y a pas de souci. Ouais, non, il n'y a pas de problème. Bon, t'es d'ici, Julien ? Non, je ne suis pas de Chauny, je suis d'origine de Macquigny, un petit village à côté de Guise. Alors là, pour situer, on est dans l'Aisne, hein, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. C'est ça. Macquigny, Guise, c'est vraiment la tirache. On est aux portes du pays du Maroilles. Tout à fait, tout à fait, c'est ça. Un petit peu côté féodal aussi, avec les châteaux qu'on a qui nous entourent, notamment le château de Guise. C'est original, on dirait qu'il y a de la laine sur... Voilà, apparemment, il y a un club sur Chauny qui a décidé d'embellir un petit peu le paysage avec la laine. Donc, je n'en sais pas plus. J'ai découvert ça avec des amis une fois en se promenant. Ah, c'est marrant, ça. Mais ouais, pourquoi pas. Après, il y en a qui vont décorer avec des photos, des tags décoratifs. Bon, là, c'est de la laine, pourquoi pas, après tout. Hein, ils ont eu peur que les poteaux aient froid pour l'hiver. Ah, c'est en prévention. L'hiver est rude ici dans l'Aisne. L'hiver est rude, voilà. On a quand même de sacrés hivers dans l'Aisne, donc je pense plutôt que c'est pour éviter qu'ils aient froid. Donc toi, tu tricotes aussi ? Non, du tout. Non, non. T'as des passions, tu... Oui, bah depuis tout petit, je suis passionné par le cinéma. Ah, génial. Ah, on a un point commun. J'ai toujours adoré le cinéma. Donc, comme je disais, donc j'habitais Macquigny. Donc, j'allais au cinéma de Guise, justement, donc tous les dimanches après-midi. Du cinéma, j'ai décidé de me lancer dans le cosplay. Ah, le cosplay, c'est-à-dire que tu t'habilles en personnage de ciné ? Tout à fait. Tu t'habilles en quoi ? Hellboy. Ah, bah t'as le gabarit, ça va, t'as le gabarit. Depuis à peu près 4 ans, j'ai 4-5 ans à peu près de cela. J'ai en fait, au début c'était juste pour une folie d'Halloween. Et de là, donc, s'en est suivi que j'ai connu une amie qui était également une très bonne collègue, Rebecca, qui elle faisait du cosplay depuis bien longtemps. On fait coucou à Rebecca pour coucou ma petite Rebecca, ma petite Newt, hein, je pense bien à toi. Donc t'as fait toi-même ton costume de Hellboy ? Oui, tout à fait. Alors Hellboy, si je me rappelle bien, il a la tête toute rouge. Toute rouge, oui, c'est un démon. Donc tu te mets la tête en rouge, quoi. Voilà. Bon, j'ai une cagoule, mais qui va faire la tête complète. Il n'y a que le visage, en fait, qui va être tout rouge. Et la main également. Et je pourrais voir ça ? Ah bah bien sûr, je suis pas loin, donc je peux aller chercher ça, je peux m'habiller pour l'occasion, pour montrer en fait. Ah bah génial, et on va aller voir ça.